Nous avons eu 5 séances à raison de 3 vendredis et 2 samedis. Il y a eu des intervenants extérieurs qui traitaient de plusieurs problématiques et beaucoup de travail en groupe. Cette conférence de citoyens s'inscrit en fait dans une démarche plus vaste, plus globale. Une volonté de la part de nos collectivités territoriales et de l'État de poser aussi la question à ceux qui vivent, qui utilisent ou qui subissent ces réseaux structurants au quotidien. Des habitants représentatifs des habitants, tout simplement. Avant d'entendre ce que ces gens-là ont à dire, les former à la question, leur donner des éléments pour qu'ils puissent se forger un avis éclairé. Des intervenants qui ont été de qualité, qui ont joué le jeu, qui ont su répondre à des questions des fois très candides. Tous les systèmes de transport, tous sont polluants. L'électrique, en fait, quand vous êtes en Allemagne, vous fonctionnez au charbon, donc c'est polluant. En France, c'est du nucléaire, donc c'est polluant. Tous les systèmes de transport sont polluants. On n'a pas de transport propre qui permette de répondre à nos besoins de consommation. Il n'y a pas de solution miracle, tout le monde l'a dit, sur le fait qu'on trouvera des modes de circulation qui soient propres et qui empêchent la congestion. Je pense que la solution, elle est justement de réduire le temps de trajet et le temps de circulation. L'Île-de-France est très dynamique en termes de population. Il y a la 3, avec la 1, ça fait une espèce de Y un peu inversé comme ça, et puis il y a la 86 qui arrive au milieu. Et donc du coup, ça fait beaucoup d'infrastructures, ça fait beaucoup d'espaces qui sont très très perceptibles quand vous traversez le territoire. C'est un vaste sujet, la transformation de la vitesse. Mais on sait très bien que la dédensification et l'extension territoriale de la métropole, elle doit beaucoup à l'augmentation de la vitesse. Parce que quand on ne va pas vite, on ne va pas loin. Et quand on ne va pas loin, on ne fait pas grand-chose parce que tout ce qu'on a à faire, c'est plus loin. Les groupes tournaient en se complétant aussi. Donc tous les groupes ont vu toutes les problématiques. Je pense qu'il y a une globalité où on est tous d'accord sur certains points. La finalité, souvent. Mais ouais, c'est ça. Mais dans les précisions, ouais. C'est, dans les détails, il y a quelques petits... C'est des débats. Les débats sont constructifs. Moi, ce qui me gêne dans cette formulation, changement des comportements individuels, c'est de rendre responsables les gens d'une situation qu'ils nous ont jamais choisie. Mm-hmm. Je suis un peu d'accord avec vous pour dire que ouais, il faudrait plutôt voir ça au niveau au sein des entreprises, plus sur les grands chefs, puisque si eux ils changent, forcément ils vont influer les autres. Et il y a toujours un problème, soit on ne sait pas recycler, il y a toujours un problème. Soit le matériau est cher, si c'est pas financier c'est santé, si c'est pas santé c'est financier. C'est le chat qui se mord la queue. Le plus important c'est pas de se mettre d'accord, c'est justement que tout le monde donne son avis. Justement avoir une conclusion qui fasse vraiment avancer les choses. L'idée, c'est que ce soit bien vous qui rédigiez. Ce que je propose, c'est moi de faire le scribe et taper ce que vous me dictez. La connexion. La voiture individuelle d'aujourd'hui, comme on le conçoit aujourd'hui, est un mode de déplacement du passé. Donc là, ce qu'on a dit, ce serait l'introduction. La voiture individuelle est un mode de transport qui appartient au passé. Il faut donc trouver autre chose qui existe déjà, mais qui mérite d'être développée. Alors là, j'espère que les grandes lignes vont être retenues. Le fruit de tout ce travail va servir à quelque chose. Et quand même, merci de m'avoir enseigné des choses. Et j'espère que ce que j'ai fait ici aura un impact sur le futur.